That's the way you get to the next level in the X Games for 10 years. He's built for speed. He's built for air. Watch his first hit. Crossed up, double cork, gets the grab in as well, and then down on the bottom, look, another cork. Such style, Mike. Hard moves look so easy. Here's what caused the problems last time. Backed off just a little bit, wraps up. Three and stick it down. The switch 1080, perfection. Décembre 2011, on arrive à Copper avec toute l'équipe. Comme chaque année, c'est là que la saison commence réellement. On se rapproche des premières compètes. Et donc le compte à rebours se met en route et il nous reste plus que quelques jours pour nous entraîner à fond et arriver prêt sur le premier contest. Après quelques jours d'entraînement, la première compétition arrive à Copper, le Grand Prix. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de compète, donc il y a une bonne pression au départ. On retrouve tout le monde, on ne sait pas ce qui va se passer exactement. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas où les autres en sont. Donc c'est là qu'on va voir ce qui se passe et ça va donner le ton de la saison réellement. Copper, le Grand Prix, donc là j'ai vraiment pas atteint mes objectifs, je suis pas arrivé en finale, on va dire que ça met vraiment pas en confiance. Premier run, je drop tout de suite sur le premier hit, mon flat 3, je pousse trop, je pose en bas, donc j'ai plus de vitesse et le run se termine. Sur mon deuxième run, je sais qu'il faut que j'assure, il faut que à tout prix que j'arrive en bas pour aller en finale. Et j'arrive à l'endroit de mon double cork, là j'ai pas assez de vitesse, donc j'essaye de mettre tout ce que j'ai en rotation, mais ça ne suffit pas. Je pose à Q et le run se termine. Du fait de son nouveau statut de 5e meilleur skieur halfpipe du monde, il a une pression qu'il n'a pas su gérer à Copper et qu'il va falloir qu'il gère sur le premier du tour de Breckenridge. Le du tour, ça va être un peu différent. J'ai pas de qualif à passer parce que j'ai terminé dans le top 3 l'année dernière de l'overall. Donc je suis directement en finale. Ça veut dire que pas de pression pour les qualifs. Je me concentre uniquement sur mes deux runs de finale et le but c'est d'arriver en bas sur un des deux. Allez, 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 allez
Donc Toto a géré la course aujourd'hui. On a toujours un peu la même stratégie dans le sens du premier run tranquille en faisant ce qu'on sait faire. Et puis le deuxième run où on essaie d'aller chercher les choses un peu plus haut. C'est exactement ce qu'il a su faire, il s'est surpassé. Parce que double flat à 8-9, il ne l'a jamais vraiment fait sur les pieds. Et il profite de la course du tour pour pouvoir le faire. Après un run magnifique, donc même s'il pose les fesses à la fin, je ne peux pas lui en vouloir. Je suis tellement fier de lui et ça laisse présager de super choses pour les mois et les courses qui arrivent. Je suis vraiment content.